Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bien-aimés, ce matin, encore, nous sommes dans la joie de nous retrouver et de nous tenir dans la présence de notre Dieu, notre Père, qui a tant aimé le monde et qui a envoyé son Fils unique, Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah, merci Papa, toi qui nous aimes tant, toi qui as manifesté tes bontés, tes compassions, ta bienveillance envers chaque personne que tu as créée. Accorde-nous la grâce encore ce matin, Père, d'être reconnaissant parce que nous venons nous tenir dans ta présence. C'est pour exprimer, Seigneur, notre adoration, notre célébration, notre appréciation, notre reconnaissance envers tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu accomplis pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Ah, ce matin, chaque jour, bien-aimé, quand tu te réveilles, sois reconnaissant envers celui qui a renouvelé ton souffle, le souffle de vie. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Ce n'est pas un acquis, bien-aimé. Ce n'est pas un acquis. Il y en a beaucoup encore qui sont partis dans les hôpitaux. Mais toi, Dieu a jugé bon que tu sois là en vie. Cela veut dire que tu as encore des choses à accomplir sur la terre. Alors sois reconnaissant ce matin, sois reconnaissant envers ton Dieu. Rends-lui grâce parce que tu es là. Et il renouvelle ses bontés, ses grâces, ah, ses compassions, sa bienveillance. Chaque matin il le fait pour nous. Alors comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas lui être reconnaissant? Alian des Bouches, élève la voix bien-aimée. Si tu sais parler en langue, élève la voix pour rendre grâce à Dieu par l'Esprit. Parce que quand tu es fait par l'Esprit, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Soyons reconnaissants ce matin. Soyons reconnaissants envers notre Dieu qui nous aime tant, Papa d'amour, qui nous a tant aimés. À qui veut que nous puissions, Seigneur, arriver, parvenir à la stature parfaite de son Fils, Christ. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin, Père, pour ton amour, pour tes compassions, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, pour, Seigneur, ta miséricorde, parce que jour après jour, Seigneur, tu es là. Jour après jour, tu nous parles, tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. C'est pour cela, ce matin, nous voulons nous taire et te laisser, Seigneur, Akabashaya, et que des bouches, et entendre le son de ta voix, afin d'écouter ce que tu veux nous dire, et d'entendre ce que tu veux nous dire, parce que tous les jours, tu veux parler à ton peuple. Tous les jours, tu veux nous parler. Tous les jours, tu veux donner une orientation divine. Tous les jours, tu veux parler à ma sœur et à mon frère. Tous les jours, tu veux le faire. Parce que nous voulons rester connectés au quotidien. Parce que nous voulons rester connectés. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Seigneur, nous ne voulons pas suffoquer. Sans toi, nous suffoquons. Sans toi, nous suffoquons. Ah, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence parce que je veux respirer le parfum de ta présence. Ah, ce matin, je me tais pour entendre le son de ta voix parce que je vais apprendre à te connaître, à être orienté par toi et toi seul,
Parce que je reconnais, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de voix, il y a plein de voix que j'entends. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce d'entendre le son de ta voix. Parce que je veux suivre le chemin que tu as préparé pour moi. Ah, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, aller ailleurs. Montre-moi le chemin qui m'amène à l'éternité, le chemin qui m'amène à ma destinée. C'est pour cela si je me tais. Oui, j'apprends à écouter la voix Kadaboshada. Je l'entends, oh, qu'il a payé. Et cada beau de boche. Est-ce que tu peux le dire si je me tais? Oh oui, j'apprendrai à écouter. Cada beau de boche, des baba bocha. Ah, et des bocha. Quand je l'entends, qu'il a payé, cadavre pour ma liberté, Koboche, si je me tais. Ah, ce matin, accorde-moi la grâce de me taire et entendre le son de ta voix, parce que je veux avoir, recevoir l'orientation divine. Ah, j'ai entendu beaucoup de voix, j'ai entendu et j'ai continué à entendre beaucoup de voix. Aujourd'hui, Seigneur, je vais entendre la voix du bon berger. Je vais entendre l'orientation. Je veux recevoir la direction. Parce que tu as dit à travers la bouche de ton serviteur, pasteur, apôtre Ivan. Ah, accorde-moi la grâce, Seigneur, que je prenne conscience que c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est la saison du matin. C'est la saison où je verrai mes projets commencer à se manifester. Alors, accordez-moi la grâce de pouvoir entendre le son de ta voix. Parce que je veux être connecté à ta voix. Je reçois la loi, mais j'ai besoin de la voix pour appliquer ce que tu as dit dans ta parole. Parce que je ne sais pas où est-ce que je dois s'aimer. Et quelle relation bâtir? Quel contrat signer? Comment je vais faire? Quelle relation entretenir? Comment je vais faire? Je ne sais pas, oh, je n'ai que le GPS qu'on appelle la voix du bon berger. Accorde-moi la grâce, Seigneur, ce matin, de pouvoir être sensible à ta voix. Je veux, oh, augmente, améliore l'acuité sensuelle, l'acuité spirituelle, ma sensibilité spirituelle. Accorde-moi la grâce, Seigneur, aujourd'hui, de pouvoir faire taire toutes les autres voix afin d'écouter que la voix du bon berger. Parce que c'est toi que je désire, parce que c'est toi que je veux, parce que c'est toi que je veux. Ah, quelle grâce de savoir que je suis, tu m'as planté au bon endroit, tu m'as planté dans la bonne famille, tu m'as planté, Seigneur, là où je peux grandir, là où je peux prospérer, là où je peux arriver dans ma destinée. Ah, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi la grâce de faire taire toutes les autres voix afin d'entendre que la voix du bon berger. Seigneur, je t'en supplie. Non, j'ai éloigné de toi parce que j'ai été menti, j'ai été trompé par la voix de la chair, la voix de l'âme, la voix, oh, Koboshaya, ou les conseils, la voix même de l'éducation, de toutes sortes de voix. Ah, accordez-moi la grâce aujourd'hui que je puisse isoler et je puisse isoler la voix du bon berger, parce que c'est cette voix qui est fondamentale pour moi, pour me permettre d'être propulsé dans ma destinée. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Non, je ne veux pas aller ailleurs. C'est pour cela que je t'en supplie ce matin. Accorde-nous la grâce d'être connecté au Saint-Esprit FM, d'être connecté à ta voix, à Kabashana. Aïe, aïe. Quand je t'ouvre,
Quand je t'ouvre mon cœur, ah, y a des roches. Quand je t'ouvre mon cœur, ah, je te vois. Quand j'ai le cœur pur, quand mon cœur est pur, alors je peux te voir. Sans le cœur pur, tu ne peux pas le voir. Sans le cœur pur, tu ne peux pas l'entendre. Accordez-moi la grâce d'être sincère. Accorde-moi la grâce d'être authentique. Accorde-moi la grâce d'être vrai. Accorde-moi la grâce d'être intègre. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir le cœur tout entier à toi. Parce que ce matin, je veux te voir. Je veux t'entendre ce matin. Ah, j'ai entendu beaucoup de voix dans ma vie. J'ai entendu. Maintenant, c'est toi que je cherche. C'est toi que je désire ardent. Oh, le désir ardent. Viens embraser ma vie ce matin. Au Kabachai, en ce début de semaine, je veux, Seigneur, monter. Monter à la montagne. Monter à la maison. À la maison de prière. Monter à la montagne. Parce que je veux te voir. Parce que je veux t'entendre. Parce que je veux toi. C'est toi que je désire. C'est toi. Après tout ce que tu fais pour nous. Après tout ce que tu accomplis dans nos vies. Après tout ce que tu fais dans notre famille. Après toutes les paroles libérées à travers la vie de nos pères. De nos apôtres que tu as établis sur nous. Seigneur, tu as manifesté tant d'amour. Tu manifestes au quotidien l'amour. L'amour envers nous. Parce que la qualité de la parole que tu envoies, oh Seigneur, cette qualité de la parole reflète l'amour que tu as envers nous. Toi qui entends manifester l'amour envers nous, accorde-moi la grâce de ne pas banaliser ta présence. Accorde-moi la grâce de ne pas, Seigneur, passer à côté de cette grâce que tu me fais. Ah Seigneur, je t'en supplie, je vais m'accrocher à ta voix, Seigneur. Je vais m'accrocher au son de ta voix, parce que c'est toi, Akabrachaya. Oh, Yéndébroché. Pardonne, Seigneur. Pardonne mes manquements. Pardonne ma défaillance. Pardonne, Seigneur, mon éloignement vers toi. Pardonne ma stupidité. Pardonne, Seigneur, ma nonchalance. À toi qui as tant payé, tu as payé le prix pour moi. Ah, pour que je sois délivré. Ce matin, coule. Ah, nous te désirons. Ah, débauche là-bas. Nous te voulons, yeah. Tu entends le son de ma voix. Tu entends les cris de ma voix. Le cri d'une sœur, des frères qui crient à toi, qui soupirent, qui crient. Parce que, ah, ma sœur veut isoler ta voix. Veut discerner ce que tu veux lui dire. Mon frère veut entendre le son de ta voix ce matin. Oh, nous faisons monter vers toi ce cri du cœur. Parce que accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir entendre. Parce que sans la voix, nous ne pouvons pas arriver à la destination. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Donne-nous, Seigneur, à arriver là où tu veux nous emmener. Ah, c'est pour cela que nous disons cool. À ce matin coule, à ce matin coule, à ce matin coule, ce matin coule, dans nos vies coule, ah, dans nos familles coule, dans nos familles coule, dans nos vies coule, à la vache, tout ce qui me concerne coule, ah, coule, dans les bouches à bien-aimé, bien-aimé, ce matin,
Le Seigneur veut que tu sois connecté à lui, que tu te reconnaisses. Il y a tellement de voix sur la terre. L'ennemi envoie beaucoup de voix, beaucoup de bruit. Bien-aimé, pour les personnes qui ont fait la science ou les technologies, le savent, dans tout signal, il y a le signal qu'on appelle le fondamental. Et puis il y a plein de bruits qui arrivent, qui perturbent le signal. Quand il y a beaucoup de bruit, le signal est déformé. Et quand le signal est déformé, alors le signal ne peut plus faire ce qui était prévu. Pourquoi ce signal a été généré? Pour. À cause du bruit qui perturbe le fonctionnement du système. Alors, qu'est-ce que les scientifiques ont mis en place? Des systèmes pour pouvoir filtrer le bruit, pour pouvoir enlever le bruit, afin d'extraire que ce qu'on appelle le fondamental, le signal qu'il fallait écouter. Alors, je reçois que nous aussi c'est pareil. Il y a le signal qu'on appelle le fondamental. Quand tu es enfant de Dieu, tu as été racheté. Alors, le Saint-Esprit te parle constamment. Le Saint-Esprit te parle constamment. Le signal fondamental, il te donne les directives afin que tu ne puisses pas aller à gauche ni à droite, mais que tu puisses suivre le chemin que le Seigneur a préparé pour toi. Parce qu'il y a un chemin qui t'amène à ta destinée afin d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Mais l'ennemi envoie plein de bruit. Il envoie plein de bruit pour que tu dévies, pour que tu changes de route et que tu n'accomplisses pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Alors bien-aimé, oh sois prudent, bien-aimé, sois prudente. Parce que toutes les voix que tu entends ne sont pas forcément des voix qui te propulsent dans ta destinée. Il y a des voix qui te propulsent dans l'enfer, qui te propulsent à partir ailleurs, à ne pas être au bon endroit. Alors, oh ce matin, ah ce matin, tu peux te taire afin d'entendre le son de ta voix quand je si je veux. Aujourd'hui, tu te tais et tu entends. Demande à Dieu, Seigneur. Tu apprends à écouter le fondamental, le signal fondamental, la voix du bon berger, la voix qui te donne l'orientation divine, la voix qui te permet de revenir à toi-même, de rentrer dans le lieu secret et de voir le Père qui est là et qui entend et qui veut te bénir et qui veut te propulser. Ah, si je me tais, ah, ce matin je me tais. Oh, je fais taire les autres voix. Je fais taire les autres voix. Je vais entendre, je vais écouter que la voix du bon berger. Je vais entendre que la voix de mon maître, de mon Seigneur, le Saint-Esprit vient éclairer nos vies. Le Saint-Esprit, oh viens, viens parler à nos cœurs, viens parler à nos cœurs, viens parler à ma sœur, viens parler à mon frère. Ramène-nous à Dieu, ramène-nous à Dieu si. Aïe. Fais taire la voix de la chair, fais taire la voix de ton âme. Fais taire, fais écouter la voix de ton esprit. La voix de l'esprit, Dieu a donné sa parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu écrite, ça contient la voix dedans. Tu as la loi. Mais il faut que, bien-aimé, que tu puisses demander au Saint-Esprit d'imprimer cette loi dans le tableau de ton cœur. De pouvoir te montrer comment appliquer cette loi dans ta vie. Comme l'apôtre Ival a dit ce dimanche, il a dit, tu peux entendre que tu dois accomplir cet acte. Tu dois s'aimer, par exemple. Tu dois honorer une telle personne pour que tu sois propulsé dans ta destinée. Il faut honorer. Tu arrives dans un territoire, il faut honorer les pères de ce territoire,
Tu rentres dans un domaine, il faut honorer les pères de ce domaine. Mais tu ne sais pas qui. À qui tu dois donner l'honneur. Mais tu sais que le principe de l'honneur, la loi de l'honneur, c'est ça qui va te permettre d'être heureux et de vivre longtemps. C'est ça qui va te permettre d'avoir le pays, de prendre possession du territoire. C'est parce que tu as honoré les pays. Ah, bien-aimé. Mais tu ne sais pas à qui tu dois le faire. C'est pour cela que tu as besoin d'être connecté au son de sa voix. Tu as besoin d'être connecté à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit dans le lieu secret et qui va te montrer la personne à qui tu dois donner honneur. Qui suivre comme un berger? À quel endroit où tu dois venir? Quelle église? Où tu dois semer? On ne sème pas n'importe où, tu sèmes là où Dieu te dit de s'aimer. Où est le là? Le là, c'est là où tu dois être, là où tu vas. Ah, tu es planté près d'un courant d'eau, où tu reçois, où tu permets, Dieu permettra à ce que tu puisses produire de fruits à la bonne saison. Et que ton feuillage ne se flétrira point. C'est au là, ce n'est pas ailleurs. Dieu veut, te veut au là, ne sois pas ailleurs. C'est comme ça Dieu fonctionne. Quand Dieu dit que je te bénirai là, même si tu te dis, moi je suis Jacob, ce lieu-là est redoutable, c'est la maison de Dieu. Mais je quitte le là et je pars ailleurs. Je vais aller souffrir chez là-bas. Tu souffriras chez là-bas jusqu'à ce que tu reviennes au là pour que tu vois encore ta prospérité revenir. Bien-aimé, ne quitte pas le là. Mais comment savoir que ce là, c'est là le son de sa voix, la voix du Saint-Esprit, la voix du bon berger qui t'est dit, c'est ici que tu dois être, c'est ici que je veux te bénir, c'est ici que je te ferai prospérer, c'est ici que je te ferai voir ma gloire. Bien-aimé, il faut écouter la voix du bon berger. Oh, si je m'aime, est-ce que tu peux entendre? Est-ce que tu rentres toi-même ce matin? Est-ce que tu es rentré en toi-même? Pas débauché des babaches, des bababababouches. Pas débauché des bababouches. À la bâche des bababababouches. Qui l'a payé? T'as débauché des pour ma liberté. Est-ce que tu es rentré en toi-même? Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu parles à ton Dieu dans le lieu secret? Est-ce que tu es sincère? Sois sincère, sois sincère. Oh, ça exige, pour entendre Dieu, ça exige la sincérité du cœur. Et tu dois être sincère. Ah, tu dois demeurer devant sa face, tu dois marcher devant sa face en étant sincère. Sa droiture et sa sincérité du cœur, c'est ça que tu veux voir, c'est ça. Oh, pauvre chanabaya, et tadabrakabababababoshébé. Ah, il exige, sois vrai. Sois vrai, sois honnête, sois authentique, en pauvre chat, et quand d'abauche des bouches, et débauche de la babouche, et quand d'abauche des bouches, je prétendre. Tu as besoin d'être connecté à lui, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui si tu veux voir les projets de paix et de malheur qu'il a préparé de tout toi s'accomplir. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, entendre Dieu. Pour entendre Dieu, tu as besoin de la sincérité. Tu as besoin d'être sincère envers déjà toi-même. Être authentique, être intègre, pas de duplicité, non. Parce que quand tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Et approchez-vous de lui, approchez-vous de moi avec un cœur sincère. Approchez-vous de moi. Quand tu t'approches de lui, il faut la sincérité. Quand tu n'es pas sincère, tu ne pourras pas l'entendre. Parce que la première clé, que tu dois être sincère. Si tu n'es pas sincère, alors tu es en train de passer le temps. Tu ne pourras pas être connecté à lui. La sincérité du cœur. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi déjà? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois? Parce que le monde spirituel, tout fonctionne par la foi. La foi est la monnaie d'échange. La foi est la monnaie d'échange entre le ciel et la terre, le spirituel et le naturel. C'est comme ça que nous allons chercher les choses spirituelles et nous la menons à manifestation sur la terre. C'est par la foi que ça se fait. La foi est une ferme assurance. Approche-toi de lui avec un cœur rempli d'assurance, en étant sincère. Parce que sans cette assurance, sans cette sincérité du cœur, tu ne pourras pas avancer. Sois sincère. Quand il y a un péché à l'intérieur, quand tu sens que tu as péché, demande profondément, demande pardon. Humilie-toi. Enlève, ne fais pas semblant, ne porte pas de masque, parce que ta destinée en dépend. Tu dépends de la voix. Nous sommes connectés à sa voix. Nous devons être connectés à sa voix. Parce que c'est le GPS qui nous amène à destination. Sans cette voix, tu es perdu. Sans cette voix, tu es dévié. Sans cette voix, l'ennemi peut t'amener là où tu ne voulais pas même être allé. Tu vas te retrouver dans la voie du pécheur. Et tu vas te retrouver assis avec les moqueurs. Ah, ça ne sera pas notre partage, non, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être connectés au son de ta voix. C'est pour cela, nous croyons que tu existes et tu es le rémunérateur. Parce que c'est par la foi que tu as créé toutes les choses. C'est par la foi que tu as créé tout. Comme c'est écrit ici, c'est par la foi, verset 3, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout sort de l'invisible. Tout sort de l'invisible. C'est comme ça les aînés ont fonctionné. C'est comme ça nos ancêtres ont fonctionné. On les appelle les héros de la foi. Les héros de la foi. Ils ne regardaient qu'à leur Dieu. Ils étaient sincères envers leur Dieu. Ils croyaient totalement à leur Dieu. Ils avaient la foi à leur Dieu. Ah, bien-aimé. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel, où est-ce que Abel a reçu l'orientation, la direction, ou l'explication, ou la formation 101-201, qu'il fallait donner les prémices? Comment Abel savait qu'il fallait donner les prémices, la première part à Dieu? La première part ne t'appartient pas, c'est à Dieu. Comment
comment Abel a entendu ça? Il a entendu. Il a entendu le son de sa voix. Alors que Caïn a pris juste un animal, il a offert parmi tant d'autres. Mais Abel, pardon, alors que Caïn a pris de fruits à offrir, et Abel a pris le premier-né de l'animal. Et il a offert. Ça veut dire, où est la place que tu donnes à Dieu? Est-ce que c'est la première place? Est-ce que c'est la première place que tu donnes à Dieu? Ou tu commences ta journée par autre chose? C'est que nous faisons même ici l'offrande du matin, parce que nous voulons donner la première place à notre Dieu. La première place. Je ne veux pas faire autre chose sans d'abord m'arrêter et venir dans la présence de Dieu afin de lui offrir un parfum d'adoration, de célébration, d'appréciation, un parfum d'action des grâces. Je ne peux pas avancer. C'est ce que Dieu regarde. Il regarde ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Tu commences ta journée à directement aller travailler. Tu commences ta journée à aller manger. Non, l'offrande du matin, oh, ce n'est pas le manger ni le boire. Mais c'est les actions de grâce, les appréciations, la louange, l'adoration que nous faisons monter vers lui comme un parfum d'agréable odeur. C'est ce que Abel a fait. Et ce sacrifice était agréable parce qu'il a donné la première part, le premier né. Comment il a entendu? Dans la présence de Dieu, quand ton cœur est sincère, alors tu vas entendre le son de sa voix. Je veux entendre parce que c'est l'onction qui enseigne. Je n'ai pas besoin que à chaque instant que le pasteur puisse m'enseigner, parce que le Saint-Esprit est là. Il peut te donner des directives, il peut te parler, il peut te donner le chemin à suivre. Il peut te parler d'une manière personnelle parce que c'est lui qui connaît ta vie, c'est lui qui connaît. Parce que tout ce que tu fais, il faut que ça soit une offrande qui monte à Dieu comme un parfum d'agréable odeur qui réjouit le cœur. Une offrande qui est agréée par lui, un sacrifice. Est-ce que ta vie est une vie de sacrifice? Est-ce que ta vie est une vie de sacrifice? Quand Dieu agrée, alors il émet un son, il te parle, il te donne des directives, il te parle. Quand tu ouvres ton cœur et tu viens lui donner un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice d'appréciation, un sacrifice d'action des grâces. Alors, le Seigneur va te parler, va te donner, et il a regardé l'état de ton cœur, que tu as donné la première part. Tu as donné la première part. C'est la première part. Ce n'est pas la deuxième, ni la troisième, ni la dernière. Mais c'est la première part. Parce que tu es le premier en toutes choses. Tu dois rester le premier. Tu restes le premier dans tout ce que je fais, dans tout ce que je conduis. Tout ce que je fais, tu es le premier. Je ne veux rien bâtir dans ma vie sans toi. Ah, une maison qui est bâtie sans le Seigneur. Ah, les personnes qui bâtissent cette maison bâtissent en vain. Une ville qui est gardée sans le Seigneur. Les personnes qui gardent cette ville gardent en vain. Tu commences par lui parce qu'il est le roc, il est le rocher de ton salut. Ah, le fondement, la fondation, c'est lui. Adabashadaba. C'est comme ça que tu entends. Le Seigneur te donne des directives. Il va te dire, ah, continue mon fils, continue ma fille. Bien-aimé, dans Hébreux
5, la parole de Dieu déclare, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut pas, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans Genèse 5, verset 24, on voit Enoch. On dit que Enoch a marché 300 ans avec le Seigneur. 300 ans. Il a marché 300 ans. Ça veut dire qu'il a marché devant la face du Seigneur pendant 300 ans. Ça veut dire que, comme il a dit dans cette parole de Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre. Enoch a gardé la parole de Dieu avec sincérité du cœur, avec droiture. Il fut déclaré agréable. Ça veut dire que Dieu a agréé l'offrande de sa vie. A agréé. Quand Dieu agrée, alors il t'enlève. Il te visite. L'enlèvement, c'est comme une visitation. Ça veut dire qu'il vient t'envelopper, il vient te parler, il vient te montrer, il vient te faire monter à la montagne, parce que c'est lui qui nous amène à la montagne sainte. Tu ne peux pas monter tout seul. Quand on te dit, quand nous disons monte à la montagne, donc ça veut dire que, mais fais-toi, donne-toi les dispositions, change la disposition du cœur de manière à monter. Mais la personne qui va te faire monter, c'est lui-même, comme c'est marqué dans Ésaïe 56. C'est lui qui va t'emmener à la montagne sainte, à la maison de prière. Alors c'est lui qui est venu l'enlever. Dieu a pris Enoch. Il l'a enlevé parce qu'il a dit, il est agréable. Est-ce que l'offrande de ta vie, est-ce que l'offrande que tu es, est-ce que cette offrande est agréable à Dieu? Parce que Dieu veut te parler. Il veut te donner des paroles. Il veut libérer des paroles pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta destinée. Il veut te parler d'une manière personnelle, pour ton église, pour le ministère. Il veut te parler. Est-ce que tu es une offrande sacrificielle? Est-ce que tu marches devant sa face avec intégrité, avec sincérité, avec droiture? Ah Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur. Ta volonté, c'est de nous voir avec toi. Quel père n'a pas envie de rester, de demeurer avec ses enfants? Quel papa ne prend pas plaisir à être avec ses enfants? Et toi, tu prends plaisir à être avec tes enfants à la montagne. Assis à la montagne, que tu prends plaisir à la montagne. Assis là où tu prends plaisir à être avec tes enfants. Assis là où tu prends plaisir d'être avec tes enfants. Parce que c'est là où tu parles à tes enfants. Ah, c'est là où tu parles à tes enfants. C'est là où tu donnes les directives. C'est là où tu donnes l'orientation divine. C'est là où, Seigneur, tu corriges ton. C'est là où, Seigneur, tu réprimandes. C'est là où tu dis, enlève ça, ça ce n'est pas de moi. Padabashanda, change de direction. Parce que quand ton cœur est sincère, tu t'humilies. Alors le Seigneur peut te donner la direction. Parce que c'est là où il veut te parler. Réconcilie-toi avec ton Seigneur. Parce que ton papa prend plaisir. Il prend plaisir à te parler avec ses enfants. C'est à la montagne que ça se passe. C'est à la maison de prière que ça se passe. Ah, c'est la montagne que tu entendras Dieu. C'est à la montagne que tu vas entendre le son de sa voix afin d'être propulsé dans ta destinée. C'est à la montagne que tu dois entendre Dieu.
C'est à la montagne que ton Dieu prend plaisir en toi. C'est à la montagne qu'il apprécie. C'est à la montagne, au Koboché des Babas. Comme Enoch a été enlevé. Parce qu'il fut déclaré agréable. C'est ce qu'il veut faire pour ta vie, mon frère, ma soeur. Afin de demeurer à la montagne. C'est à la montagne que nous avons la victoire. C'est à la montagne que nous terrassons nos ennemis. C'est à la montagne que nous terrassons nos ennemis. À débaucher des babas, à la montagne. C'est à la montagne que nous sommes plus que vainqueurs. C'est à la montagne, Seigneur, nous triomphons. C'est à la montagne que nous prenons des territoires. Nous prenons des territoires. C'est à la montagne, c'est à la montagne. C'est à la montagne que nous impactons. C'est à la montagne que nous perçons. C'est à la montagne que nous avons la victoire. Et des beaux chandards à la montagne. C'est à la montagne que nous gagnons. C'est à la montagne que notre Dieu prend plaisir. C'est à la montagne que nous sommes plus que vainqueurs. Accordez-nous la grâce de demeurer à la montagne. Parce que nous voulons demeurer avec toi. Parce que nous voulons demeurer avec toi, la montagne. C'est la montagne que tu prends plaisir à demeurer avec tes enfants. C'est à la montagne que tu parles à tes enfants. Ah, la débauchée. C'est ce que le salmiste a dit. Je demeurerai dans le tabernacle, dans ton tabernacle. Je veux rester là. Dans ta présence, je veux rester là. Et débauche pour parler avec toi, pour échanger avec toi, pour recevoir l'orientation divine, pour être propulsé, pour prendre des territoires, pour que ma vie, puisse être une source de bénédiction. Bien-aimé, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il n'est pas revenu parce que Dieu l'avait enlevé. C'est à la montagne, dans cette dimension-là de la montagne, la mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. La maladie n'a plus de pouvoir dans ta vie. L'infirmité n'a pas de pouvoir. Le chômage, la galère, ton rachat, quel que soit ce qui se passe sur la terre, dans la vallée, tout ce qui se passe, les crises, les inquiétudes, ça n'a plus de pouvoir. Parce que toi, tu es monté et tu es à la montagne. Et tu es à la montagne sainte, à la maison de prière, dans le lieu secret. Et tu es avec lui. Il y a la mort, il n'a plus de victoire. C'est là où le sang, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et entendu. La maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie, à la montagne. Le chômage, la galère n'a pas de pouvoir dans ta vie. C'est à la montagne qu'ils ne sont plus que vainqueurs. Ah, à la montagne, c'est à la montagne où tu prends plaisir. Oh, de prendre plaisir d'être avec tes enfants. C'est à la montagne où Jésus prend la paix. Dans la paix, dans la joie, dans la justice. C'est à la montagne qu'on appelle aussi le sabbat. C'est à la montagne où je me force de manière à rentrer dans le repos. À la montagne, c'est aussi le lieu de repos. C'est-à-dire tu as la paix. Quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, mais tu as la paix. Même si la maladie n'a pas encore quitté, mais tu es déjà rentré à la montagne. Le Seigneur te donne le repos. Ah, celui qui rentre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres, comme c'est marqué dans Hébreux 4.
parce que c'est à la montagne tu as levé pour. Ah, autrefois c'était appelé le sabbat. C'est à la montagne, c'est à la montagne je me repose de mes œuvres. C'est à la montagne où Dieu me prend plaisir. C'est à la montagne où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à la montagne, ah, c'est à la montagne, c'est à la montagne, je tourne mon regard vers toi et toi seul. Ah, c'est à la montagne, je suis avec toi. Je suis caché en Christ à la montagne. J'ai la vitesse de Christ, j'ai l'accélération divine de Christ. Je suis propulsé dans ma destinée, une accélération divine. À cabracher des babas, ça se passe dans la montagne. Bien aimé, bien, bien aimé, pour y arriver, le Seigneur a donné deux choses. Il a dit, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et donc il est arrivé parce qu'il avait la foi. Il fut déclaré agréable. Or sans la foi, tu ne peux pas être agréé. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas être agréé, tu ne peux pas être pris et amené à la montagne. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que vraiment tu crois à ma personne? Est-ce que vraiment tu crois que je suis celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu crois que je suis ton Seigneur? Est-ce que tu crois que je suis le Christ? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Est-ce que tu crois à ma parole? La parole qui sort de ma bouche, est-ce que tu crois à cette parole? Quand je te donne cette une parole, est-ce que tu crois, tu t'attaches à cette parole? Tout commence par là pour être agréable à Dieu. Est-ce que tu crois? Avant même de voir la manifestation, est-ce que tu as cru? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand je libère une parole, est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois à ce que je te dis? Quand tu entends le son de ma voix, est-ce que tu crois ou tu doutes? Fais taire la voix de l'incrédulité, bien-aimé. Faisons taire la voix de l'incrédulité. Crois à ce qu'il dit. Mais ça, ce n'est que le premier volet. Il y a beaucoup de gens qui croient. Mais il y a aussi beaucoup qui ne croient pas. Mais admettons que tu fais partie de la catégorie des personnes qui croient. Et il a dit, maintenant, le deuxième volet. Est-ce que tu crois que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Est-ce que tu crois que je veux te donner ce que j'ai dit? Tu peux croire à une parole, mais est-ce que tu crois que cette parole va se manifester? Ah, ça c'est le deuxième volet. Celui qui croit que Dieu existe, ça veut dire que Dieu est. Ça veut dire qu'il règne sur le trône. Ça veut dire que tu peux t'approcher de lui avec un cœur rempli d'assurance. Parce que tu ne vas pas te rapprocher du trône de la grâce. Si tu ne crois pas, parce que tu n'es pas sincère, Dieu ne permettrait pas que tu arrives sur le trône de la grâce en étant faux ou fausse. Dieu ne permettra pas. Comme c'est marqué dans Isaïe 59.
Mon bras n'est pas court pour vous venir à l'aide. Mon oreille n'est pas dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui élèvent un mur de séparation. Le fait de ne pas être sincère, il y a un mur qui monte. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui te bloque. Tu te bloques toi-même parce que tu n'es pas sincère avec lui. L'exigence de la sincérité, c'est ça qui est la clé, la première clé pour entendre Dieu. Tu ne peux pas avancer sur le trône de la grâce si tu ne crois pas. Tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas sa parole. Tu dis cette parole est dure. Et deuxièmement, tu peux croire à cette parole, mais est-ce que tu crois que cette parole va se manifester? L'ennemi va te dire, ça n'arrivera pas, parce que tu es tellement charnel, tu es tellement charnel, tu es tellement traditionnel, tu es tellement émotionnel, tu es attaché à la chair, tu es attaché aux émotions, tu es attaché aux traditions. Il y a des forteresses qui empêchent que tu crois que ce que Dieu dit va se manifester. Alors Dieu a dit, mais tu ne peux pas être agréable. À mes yeux, tu n'es pas agréable. J'ai donc deux conditions. Tu dois croire que j'existe et je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre Dieu, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il est vrai. Lui, il est vrai. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait à Enoch, ce qu'il a fait à Abel, il est capable de faire cela pour toi. Simplement crois qu'il est sur le trône, qu'il est là. Il veut te bénir, il veut te bénir. Et crois qu'il est le rémunérateur. Il veut manifester ce qu'il a dit dans sa parole. Parce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Crois que ce qu'il a dit arrive et tu le verras manifester. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour cette parole? Si tu crois que cette parole est vraie, dis-lui Seigneur, accorde-moi la grâce de croire en toi. De croire en toi, Dieu. Accorde-moi la grâce de croire en toi tous les jours de ma vie. Oh, tous les jours de ma vie. De croire à ce que tu libères dans ta parole. De croire à toutes les paroles prophétiques libérées. Toutes les paroles libérées, Seigneur, à travers la vie de son serviteur, apôtre Ival, apôtre Yves. À croire à toutes les paroles prophétiques libérées. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire. Parce que, Seigneur, je veux être agréable. Je veux que, Seigneur, que tu puisses déclarer que je suis agréable. Parce que sans ça, je ne pourrais pas être enlevé. Seigneur, sans ça, je ne pourrais pas être emmené à la montagne sainte. Ah, je n'arriverai pas à être dans ta présence. Ah, je ne pourrais pas recevoir tes paroles. Et l'orientation divine, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire en toi. De croire que tu existes et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est ça que je veux. C'est ça que je désire, c'est ça que je désire. Bien-aimé, dans Jean 14, verset 11, la parole de Dieu déclare, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Quand j'entends cette parole, il y a une tristesse qui monte à moi. Imaginez Jésus le Christ. Il a fait des œuvres. Mais les gens sont là. Ils sont toujours incrédules. Il a dit, Jésus a dit, mais vous croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez
croyaient. Mais ils se retrouvent devant un peuple incrédule, un peuple qui ne croit toujours pas. Quand on leur dit, mais ne croit toujours pas, le cœur est fermé. Mais il a dit, bon, mais si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à ses œuvres. Au moins croyez que ses œuvres viennent de lui. Croyez au moins que cette église qui impacte le centre chrétien, croyez au moins aux œuvres. Si tu ne crois même pas, si tu ne crois pas, si tu te dis que mais, peut-être Dieu n'est pas là-bas, mais croyez au moins ce qu'il est en train de faire, ce que le Seigneur est en train de faire à travers cette famille spirituelle. Crois au moins, crois au moins à ça, crois au moins aux œuvres, crois au moins. Croyez au moins. Parce qu'il y a toujours ces deux volets. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je suis le rémunérateur? Croire que je suis le rémunérateur, si tu as vu les œuvres, tu dis, ah, il a manifesté. Donc il peut aussi manifester pour moi. Ah, bien-aimé. Ah, de croire. Accorde-moi la grâce de croire en toi. Ah, des beaux chants. Oh Seigneur, donne-moi marcher avec sincérité. Je ne veux pas être vrai ou faux. Je ne veux pas être faux. Je veux être authentique. Je veux être honnête. Je veux avoir un cœur bon, honnête et bon. Je veux être intègre. Je veux être sincère. Seigneur, accorde-moi la grâce. Parce que c'est la première condition pour que je puisse monter et entendre les sons de ta voix. Ah, la sincérité du cœur. Ah, Seigneur, enlève tout ce qui m'empêche d'entendre le son de ta voix. Tout ce qui m'empêche, tout le mur que j'ai même élevé moi-même, le muraille que j'ai élevé entre, la séparation entre toi et moi. Seigneur, je t'en supplie, enlève, enlève, enlève. Seigneur, je t'en supplie, enlève. Dis, Seigneur, où j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Parce que je veux que ta vie coule. Parce que je veux que ta vie coule, 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 ah, coule, ah, coule, ah, coule, ah, coule. Je t'en supplie que ta vie coule. C'est ce que je désire. C'est ce que je veux voir dans ma vie, dans ma famille. Ah, c'est pour cela, ah, je te dis, Seigneur, je t'en supplie, je viens m'abandonner, je viens me livrer, je viens me blottir dans tes bras, avec tes bras d'amour, parce que tu es un papa d'amour, tu veux me voir prospérer, tu veux que je prospère. Tu veux que je sois en bonne santé et que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme. C'est ça ta volonté. Tu veux que je prospère à tous égards, dans tous les domaines de ma vie. Oh, tu veux que je puisse être épanoui. Tu veux que je puisse avoir une vie chrétienne et victorieuse. Parce que ça, c'est le désir d'un père. C'est pour ça que tu es en train de me dire, sois sincère avec moi. Sois sincère. Donne-moi être sincère avec toi. Donne-moi être vrai avec toi. Donne-moi être honnête avec toi. Donne-moi avoir un cœur bon, Seigneur. Un cœur authentique. Un cœur qui s'approche de toi avec assurance. Et qui croit que tu es là. Tu existes. Tu es sur le trône. C'est toi qui règnes. Et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Donne-moi à croire en toi. Et de croire à tes œuvres. De croire à tes œuvres. De croire à ce que tu as manifesté. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à rendre grâce? Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Élève la voix pour rendre grâce. Aïe, merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour ce temps. Toi qui nous as conduits pour nous amener à entendre le son de ta voix. Dans cette saison du matin, tu veux manifester des grandes choses, mais ça ne s'accomplira pas si nous banalisons ta présence, si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas sincères avec toi, si nous ne sommes pas dociles et animés d'une bonne volonté. Nous ne pourrons
pourrons pas entendre le son de ta voix. Accorde-nous la grâce. Merci Seigneur. Merci de ce que tu vas faire. Nous te supplions. Nous te bénissons pour cette parole libérée. Nous te bénissons pour ce temps de prière. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait du bien. Comment ne pas être reconnaissant pour la parole, pour la qualité qui n'est pas la qualité de ta parole, la parole qui n'est pas rare dans ta maison. La parole, Seigneur, que tu nous donnes au quotidien. Nous te bénissons pour le pain quotidien que nous avons reçu ce matin. Nous te bénissons alors que nous clôturons ce temps, Père. Nous recommandons toute la journée à ta grâce. Accorde-nous la grâce d'avoir une journée efficace et productive. Accorde-nous la grâce partout où nous serons de garder, Seigneur, cette disposition du cœur. Un cœur humble, un cœur qui s'humilie devant ta présence. Un cœur qui t'aime comme jamais. Un cœur passionné. Accorde-nous la grâce de pouvoir être le véhicule qui transporte ta gloire. Parce que nous avons compris, Seigneur, que nous devons être sincères avec toi, parce que tu es l'ami fidèle, tu es notre partenaire, ô Saint-Esprit, le Paracletos. Nous te bénissons, alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. C'est la fin de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux dans sa présence. Excellente journée dans sa présence. Demeurez abondamment bénis. Rendez-vous demain matin, 5h du matin. Et nous vous disons peace. Au revoir.